Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Celle-ci, je la fais un peu comme ça là. Allez, je vais faire ça aussi tant qu'on y est. Hein. Voilà, maintenant que j'ai fait celle sur les légendes arthuriennes, on va faire ça. Une question qui revient, mais je pense honnêtement que je dois la voir minimum 4 fois par mois. C'est, tu parles tellement souvent de Kate Morton, dans quel ordre il faudrait que je les lise? C'est quoi vraiment ton livre préféré de Kate Morton et du coup celui que tu conseilles en premier? Il y en a tellement que je sais pas par lequel commencer. Voilà. Que là, je me suis dit que, en fait, il fallait peut-être juste que je fasse une vidéo dessus. Puis comme ça, ça répondrait définitivement aux questions. Bref. L'autrice Kate Morton est australienne. Et elle a écrit son premier roman à 29 ans, si je me trompe pas, si je me souviens bien. Et après ça, ça s'est un petit peu emballé pour elle. Et jusqu'à présent, elle a écrit 6 romans. Les 6 ont été traduits en français et dans 40 autres pays. Parce que voilà, ça a vraiment fait... Gros succès pour elle. Aujourd'hui, elle vit plus en Australie, elle vit à Londres. Et elle a eu plusieurs papiers, notamment en littérature gothique, etc. Donc voilà, elle a un bagage littéraire quand même assez intéressant. Et une des grandes caractéristiques de ses romans, premièrement, ce ne sont que des one-shots. Donc il n'y a pas de série chez Kate Morton. Vous prenez un livre, vous commencez une intrigue, et à la fin, c'est fini, terminé. Les personnages, on ne les revoit plus dans ses prochains romans. D'ailleurs, jusqu'à présent en tout cas, il n'y a jamais de lien, même très subtil, entre les romans, entre les personnages de ces différents romans. Deuxièmement, elle adore les sauts dans le passé et dans le présent. On a souvent un personnage contemporain de nos jours, et des personnages et une action, une intrigue qui se passe soit dans les années 20, dans les années 30, dernièrement en tout cas dans La Prisonnière du Temps, qui est son dernier roman, on partait même jusque dans les années 1800. Elle aime vraiment jouer avec les époques, et que les époques se répondent entre elles en fait. Voilà. Et la troisième chose qui caractérise énormément les romans de Kate Morton, c'est que ce sont des intrigues familiales. Il s'est passé un truc dans le passé, ça a été plus ou moins oublié, ou on a essayé en tout cas de le cacher. Manque de bol, il y a un personnage aujourd'hui qui a décidé soit de déterrer le truc, soit le truc s'est plus ou moins déterré tout seul, et ce personnage contemporain essaye de résoudre cette affaire du passé. Montre. C'est celle-là. C'est la seule vegan que j'ai trouvée. C'est ça. Je t'aime. Il y avait qu'une vegan. Ah, oh, je t'aime. Je suis arrivé, j'ai fait. Il y a que celle-là en vegan, je dois être celle-là. Regardez, il m'aime. Je voulais de la bière, je voulais des couches. Ouais. J'ai fait. Est-ce que je descends là? Je voulais de la bière, je voulais des couches. Un papa modèle. Je peux rajouter une quatrième caractéristique, c'est que Kate Morton, elle fait pas des petits livres. Hein. On est toujours sur des jolis pavés en poche, parce qu'en général, la plupart du temps, je les ai lus en poche. On est sur du minimum 600-800 pages, plus ou moins, on va dire. Et Kate Morton, même si elle a des intrigues super, elle adore les détails. Tu lis un Kate Morton, t'es embarqué en fait, t'es immergé complètement. Je trouve qu'elle a un don pour raconter les histoires et pour vraiment embarquer le lecteur dans son univers complet. Moi, typiquement, Kate Morton, quand je la conseille en librairie, j'ai ce truc où je dis « c'est ma lecture de vacances, quoi ». C'est ma lecture de vacances parce que c'est pas seulement une petite lecture sympa, légère, qui fait passer le temps. C'est quand même... Il y a quand même une intrigue. C'est hyper bien, par exemple, pour les gens qui ont envie d'avoir une intrigue, mais sans que ce soit un policier. Sans que ce soit un polar avec vraiment du sang, et puis des meurtres, et puis des machins. Non, ils veulent... un mystère en fait, voilà. Il s'est passé quelque chose. On sait pas quoi, exactement. Et en fait, petit à petit, l'autrice, elle va nous amener à ça. Donc, j'aime bien conseiller ce genre de choses pour les gens qui veulent pas, voilà, qui sont pas trop sang, etc. Mais qui, en même temps, aiment bien le côté un peu mystérieux. Elle est top. Pour ça, elle est top, vraiment. Et je pense que, pour moi, dans mon cœur de lectrice, elle est indétrônable, voilà. Mais c'est vrai que si, par exemple, on a de la peine avec les gros livres ou qu'on a de la peine avec les livres très détaillés, Kate Morton, c'est peut-être pas la meilleure autrice pour ça, on va dire. Du coup, j'en viens à mon classement personnel. Je vais pas aller du coup dans l'ordre de parution des Kate Morton. Je vais vraiment commencer par celui que j'ai le moins aimé pour aller vers ceux que j'ai le plus aimé, mais quoique le top 3 est hyper dur parce que... Ouais, on verra. Donc je commence par la dernière position et le Kate Morton que j'ai vraiment le moins aimé et c'est celui que je ne conseille pas. Tous les autres, je les conseille, mais celui-ci, c'est vrai. C'est celui qui me reste en travers de la gorge, on va dire.
Il s'agit des Heures lointaines, qui est paru en 2010 en anglais et qui a été traduit en 2011. Pour moi, les Heures lointaines, c'est celui qui était... Pour moi, hein, je dis bien. C'est celui qui était le moins bien amené et construit. Il était un peu trop fouillis, peut-être. Donc on est aujourd'hui, comme d'habitude, hein, je vous ai dit, c'est toujours le même schéma pour ça. Et la fille de Meredith Burchill découvre un truc sur sa mère. Et sa mère va commencer à lui raconter son enfance qu'elle a gardée secret toute sa vie, quoi, en gros. C'était un secret pour personne, mais durant la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup d'enfants des villes qui ont été déportés en campagne pour vivre justement un peu plus en sécurité. Et cette fameuse Meredith s'est retrouvée dans le château de Middlehurst, dans le Kent, où elle s'est liée d'amitié avec la plus jeune fille de la famille du château de Middlehurst. Il s'est passé quelque chose là-bas, dans ce château, dans ces années-là, et Meredith a ensuite refait sa vie, elle est revenue en ville, et voilà, voilà. Du coup, comme d'habitude, avec Kate Morton, on joue sur les deux époques différentes. Et en fait, toute cette histoire avec ce château... Pourtant, j'adore les châteaux. Et j'adore quand Kate Morton utilise des châteaux dans ses intrigues. Mais là... J'étais un petit peu perdue et honnêtement, j'ai pas eu la frénésie de lecture que j'ai pour les autres Kate Morton. C'est pour ça que c'est celui que je conseille en général le moins, voire pas du tout. Après, il y a des gens qui ont adoré Les Heures lointaines. Hein. Je rappelle, c'est mon classement personnel. En cinquième position, du coup, vu qu'il y a 6 romans au total pour l'instant, en cinquième position, je mettrai le dernier, La prisonnière du temps. C'est pas que je l'ai pas aimé, c'est difficile finalement, une fois qu'on a enlevé Les Heures lointaines, pour moi, c'est difficile après de classer les Kate Morton. La prisonnière du temps, c'est cette histoire où elle prend le plus d'époques différentes. On est aujourd'hui, on est à la fois durant la Seconde Guerre, on est surtout dans les années 1800. Elle essaye vraiment de jouer sur plusieurs époques et du coup il y a beaucoup plus de personnages que d'habitude. Donc là c'est une conservatrice de musée qui va découvrir une sacoche de peintre. Et dans cette sacoche il y a un carnet et dedans le portrait d'une femme qui n'est... pas datée, il n'y a pas de nom, enfin on ne sait pas qui est cette femme, elle sait juste que la sacoche appartenait à un peintre en particulier, et du coup elle va essayer un petit peu de découvrir qui était cette femme, quoi, finalement. Et du coup, dans les années 1800, on a la vie de ce peintre et de sa muse, et on a le déroulé de toute cette histoire, et là, en fait, pour la première fois, Kate Morton a voulu mettre un petit côté un peu fantastique, chose qu'elle ne fait pas dans les autres, c'est la première fois qu'elle fait ça, en tout cas. C'est après, en fait, le fait que tu partes des années 1800, et que tu... arrive dans des années suivantes, t'arrives au début des années 1900, t'arrives à la Première Guerre, à la Seconde Guerre, puis enfin à la vie de cette conservatrice de musée. Ça fait quand même un gros étalage d'époque et beaucoup de personnages du coup qui se succèdent, et puis il y a des liens entre cela, mais après entre cela. Donc c'était bien, c'était très bien amené, et l'intrigue en tant que telle était top. Maintenant je pense que le côté fantastique, comme j'ai pas l'habitude de lire ça chez elle et que c'est une des premières fois qu'elle utilise cet aspect-là, ça m'a peut-être un peu déconcertée et je sais pas encore si j'ai vraiment apprécié ou pas, mais je crois pas trop. Pourtant, j'adore le fantastique, hein, c'est pas le sujet. Mais là, avec Kate Morton, j'avoue, j'étais un peu déboussolée peut-être, en effet. Et c'était pas l'intrigue en tout cas qui m'a le plus waouh de dingue, quoi. Enfin, il y avait des trucs qui se révèlent à la fin, tu fais oui. Enfin, je le voyais un petit peu venir, donc j'ai pas été subjuguée par la révélation de l'intrigue aussi. En quatrième position, du coup, je mets Le Jardin des Secrets. Ça, c'est un des premiers que j'ai lu aussi, c'est un des premiers, c'est son deuxième qu'elle a sorti. C'est celui qui m'a réconciliée avec les heures, enfin, que j'ai lu juste après Les Heures lointaines, du coup, ah, ça m'a un peu... C'est bon. Je me sens que j'avais lu Les Heures lointaines, et peut-être un mois après, je lisais Le Jardin des Secrets, ou un truc du style. Du coup, j'étais un peu... Donc là, on se retrouve en 1913, une petite fille arrive sur un bateau en Angleterre, et... quand le bateau arrive enfin à destination, elle se retrouve en Australie. Sauf qu'arrivée en Australie, elle est seule, il n'y a personne qui l'attend. Et qu'est-ce qu'elle fait là, en gros? Donc un couple va l'adopter, un couple d'ailleurs qui, je crois, au départ ne peut pas avoir d'enfants. Un couple va adopter cette petite fille, par après ils vont avoir des enfants. Mais voilà, elle fera toujours partie de cette famille-là. Elle va grandir et voilà. Aujourd'hui, c'est une vieille femme et elle est sur le point de mourir. Et en fait, sa petite fille, Cassandra, va mener l'enquête sur les origines de sa grand-mère. Je sais plus, je crois que c'est elle, la grand-mère en tant que telle, qui va commencer à lui rappeler, qui va lui parler de ce souvenir, ou en tout cas qu'elle était sur un bateau toute seule et qu'elle est arrivée en Australie. Et du coup, sa petite fille est un peu curieuse et surtout elle veut un peu faire le ménage dans le passé de sa grand-mère et voir pourquoi cette petite fille était toute seule sur un bateau depuis les Cornouailles, pourquoi est-ce qu'elle a débarqué toute seule en Australie, qui était sa famille et qu'est-ce qu'elle faisait là, etc. Donc Cassandra va partir en Angleterre
en Cornouailles et elle va explorer, avec le peu de traces qu'elle a de sa grand-mère, les origines de sa grand-mère. Et là, alors là, c'est tout un truc de dédale, de labyrinthe, et de château, et de cousine, et de machin, et c'était trop bien. Voilà, c'est ça que j'aime en fait avec Kate Morton, c'est qu'avec deux époques, avec une famille, ou deux, elle arrive à te faire de ces trucs. C'est génial. C'est un puzzle. Et tu commences par faire les bords, tout bien, tu vois, tu respectes le truc. Et après, tu mets les pièces, et puis tu fais « Oh, purée, je comprends, enfin !» Et tout d'un coup, il y a cette frénésie qui ouvre, voilà. Le Jardin des Secrets, il me laisse ce goût, en fait, de... Oui, de dédale et de labyrinthe, parce qu'il y a vraiment un labyrinthe, en fait, dans le jardin du château. Et de famille, et vraiment jusqu'au dernier moment, jusqu'aux dernières pages, tu sais pas vraiment ce qui s'est passé. Et ça, c'est ce que j'aime avec Kate Morton. C'est quand elle arrive à faire ça, je suis... limite, j'en veux encore, quoi. Bon, on arrive sur le podium, et c'est là que ça se complique. Je vais quand même mettre Les Brumes de Riverton en troisième position, parce que c'est le premier que j'ai lu. Donc, ça date. C'est aussi le premier qu'elle a écrit. Donc, c'est le seul que j'ai lu dans le bon ordre, si vous voulez bien, parce que je l'ai lu en premier et c'était son premier. Pour moi, il est sur le podium. Je pense même que si je le relirais aujourd'hui, il aurait peut-être la première place. Je sais pas encore. Il faudrait que je le relise d'ailleurs. Tiens, ça me ferait plaisir de le relire parce que j'ai plus tout exactement en tête. On est en 1924, une grande fête est donnée à Riverton et un homme va se suicider. Suite à ce suicide, les deux sœurs de la maison Riverton ne vont plus jamais se parler. On est aujourd'hui et... Non, c'est pas vrai, on n'est pas aujourd'hui, on est en 1999. Et une cinéaste veut réaliser un film sur Riverton et surtout sur ce drame à Riverton. Donc, elle va contacter la seule personne vivante encore aujourd'hui. Il s'agissait d'une bonne qui était très très jeune à l'époque et qui avait servi dans le château de Riverton. Qui va du coup lui raconter un peu tout ce qu'elle voyait, elle, en tant que bonne. C'est des choses que des fois, les aristocrates ne se rendaient pas compte de ce que leur personnel pouvait écouter et voir. Encore une fois, on joue sur les deux époques, on joue sur les deux tableaux et... Et c'est celui... Oui, je pense que je devrais le relire, honnêtement. Mais j'en garde un merveilleux souvenir. Peut-être parce que c'était le premier, justement, et que j'étais toute... Waouh, c'est quoi cette plume de malade, et cet univers, et ces personnages, et tout, mais je prendrais énormément de plaisir à le relire, je pense. En général, quand on me demande, justement, par quelle Kate Morton il faut commencer, c'est vrai que je conseille Les Brumes de Riverton, parce que c'est à la fois son premier, et en même temps, pour moi, c'est un de mes préférés. Du coup, je me dis, c'est... Quand on connaît pas encore l'autrice, peut-être commencer avec le premier. Après, on peut, en les lisant plus ou moins dans l'ordre, on peut peut-être voir un peu l'évolution de la plume aussi. En deuxième position, c'est dur. En deuxième position, je pense que je mettrai L'Enfant du Lac, qui est sorti en 2015 en VO et qui du coup a été traduit en 2016. Là, on est en 1930 plus ou moins, et lors d'une fête, un petit garçon de une année va disparaître. On le reverra juste plus jamais. Voilà, les cold cases, l'histoire va être classée à faire sans suite. On n'aura jamais retrouvé cet enfant. De nos jours, une détective est mise à l'arrêt. Elle n'a pas le choix, elle a fait une bourde devant les médias, elle a révélé un truc qu'elle ne devait pas dire à la police. Voilà. Du coup, elle est suspendue. Son directeur lui dit d'aller se mettre un peu au vert, d'aller prendre des vacances. Sauf que bien sûr, pas détective pour rien. Elle n'y arrive pas et elle ouvre cette affaire. Elle découvre cette maison qui a été complètement abandonnée, que les gens n'ont jamais réclamée. Et puis, elle va commencer à fouiller dedans, en fait, bêtement. Elle va tomber sur des trucs et elle se rend compte qu'une des personnes qui a vécu ici est aujourd'hui très âgée et surtout une autrice de policiers à succès. Du coup, elle va essayer un petit peu de grappiller des infos à cette autrice, qui, elle, bien sûr, essaye bien de la tenir éloignée de ce qui s'est passé dans sa famille, parce que finalement, ça regarde qu'eux, et que leur famille a été assez marquée par cette histoire de disparition comme ça, donc voilà, ça s'est passé il y a des années, on arrête. Sauf que, bien sûr, elle continue, et j'ai vraiment... C'est une des intrigues qui m'a le plus plu, et pourtant, c'est une des intrigues que j'ai vu venir assez vite le résultat, le... pas le résultat... La révélation. Résultat, révélation, ça va, c'est pareil. C'est celui qui m'a le moins marqué en fait en termes de révélation, mais ça me semblait cohérent, ça me semblait logique, et puis j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance de cette maison, de cette famille. C'est une famille aristo, mais pas trop non plus, quoi. Ils avaient des moyens, mais c'était pas la haute aristocratie d'Angleterre, quoi. Voilà, ils étaient pas de classe moyenne, mais entre les deux. Voilà. Et je me souviens, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, en librairie, je pense que c'est celui que j'ai le plus vendu. Et du coup, on en arrive à mon préféré, c'est La Scène des Souvenirs. Je dirais que c'est mon préféré, je dirais que c'est mon numéro 1. C'est celui qui, en fait, surtout en termes de révélation, m'a le plus scotché.
de tous. Les brumes de Riverton, c'est encore assez flou, donc du coup, je peux pas trop vous dire, mais vraiment, la scène des souvenirs, il m'a coupé, il m'a scotché. Et c'est celui pourtant pour lequel j'étais le moins partante à la base. Ma mère me l'avait prêté en grand format quand elle l'avait acheté. Et elle me dit, ah bah tiens, je l'ai fini, je te le passe, et puis tu le liras quand tu veux, quoi. Et je l'ai laissé traîner. Bah, d'ailleurs, j'ai lu L'Enfant du Lac avant de lire La scène des souvenirs. L'Enfant du Lac est sorti après. Et je sais pas pourquoi je l'ai laissé autant traîner, j'étais pas emballée par cette histoire, ça se passe pendant le Blitz, cette histoire de photos et de souvenirs en fait de famille. Aujourd'hui, une grande actrice va au chevet de sa mère mourante et lui demande quelque chose. Elle a vu en fait quelque chose en étant ado que sa mère a fait et elle l'a vu faire mais elle en a jamais parlé en fait. Elle a toujours gardé ça secret, elle s'est toujours dit... Si maman m'a rien dit par rapport à ça, c'est que je devais pas le savoir en fait, et puis voilà. Donc elle a jamais rien dit, et elle a fait comme si de rien n'était, sauf que là, bah, aujourd'hui, c'est un petit peu passé. Surtout que sa mère est en train de mourir, et elle a envie de, voilà, d'avoir le fin mot de l'histoire sur tout ça. Et du coup, on revient en arrière durant le Blitz, où sa mère bah, a vécu pendant le Blitz à Londres. Il y a eu des explosions partout, et tout. Elle a été dans les femmes qui ont été aidées, en fait, dans les hôpitaux, elle a été aidée à faire des vêtements, à faire des... Bref. Et cette histoire, mais cette histoire, je vous jure, encore aujourd'hui, je suis, mais... abasourdie, en fait, comment l'autrice, elle te balade, mais par le bout du nez, jusqu'à la dernière page. Je me souviens encore, quand j'ai fini ce livre, j'étais mais tellement en pleine frénésie de lecture que, je sais pas pourquoi, je me trouvais... sur le petit canapé qu'on avait dans la chambre à Alice. Je sais pas pourquoi j'étais là-bas, je sais pas où ils étaient eux, donc Vincent et Alice, je ne sais plus. J'étais dans ma bulle, j'étais posée là-bas. Je pense que j'avais dû aller me poser là-bas parce que pendant longtemps, et c'est encore le cas, quand Alice joue dans sa chambre, elle aime pas être toute seule dans sa chambre. Et du coup, ce que je lui propose des fois, c'est que je viens avec elle et que ben, moi, en fait, je me pose sur son petit canapé et pendant qu'elle joue, ben, maman est juste à côté, quoi. C'est un compromis qu'on a trouvé qui est pas trop mal encore. Et je pense qu'il a dû se passer un truc comme ça, sauf qu'elle a dû en avoir marre que je réagissais pas ou je sais pas quoi. Et elle est partie voir son père. Et du coup, moi, je suis restée dans sa chambre et je me vois terminer le livre dans sa chambre, sur son canapé avec ses peluches et tout. Et j'ai refermé le bouquin, je suis là. Mais quoi ? Qu'est-ce que je viens de lire ? C'était juste génial. Voilà, pour moi, c'est une des meilleures intrigues de Kate Morton. En termes de secrets et tout, c'est une de ses meilleures intrigues, c'est une de ses meilleures révélations. Du coup, la fameuse question, par quoi commencer ? Moi, je vous dirais de commencer par Les Brumes de Riverton. Voilà, ce n'est que mon avis, mais c'est le premier qu'elle a écrit. Aujourd'hui encore, il fait partie de mon top 3 de l'autrice. Et d'ailleurs, autre chose, je sais que vous me demandez aussi régulièrement une vidéo sur les sagas familiales, les secrets de famille, etc. etc. et j'ai clairement envie de travailler sur cette vidéo. Donc voilà, sachez que ça va arriver, mais je sais qu'on va me la demander en commentaire, donc comme ça je le précise tout de suite. Je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous être utile surtout. Voilà, que je réponds à une question. Parce que je sais qu'en général, quand on parle de Kate Morton, on vient me voir et on me demande des trucs. Et du coup, je me dis que peut-être une fois vraiment posé le truc en vidéo, ben voilà, ça fait un support. Bref. Je vous embrasse très fort, je vous dis à une toute prochaine. Et surtout, lisez des livres! C'est pas du tout ma phrase de fin habituelle, ça, pas du tout. Bref, je ne sais plus dire au revoir. Prenez soin de vous et à une toute prochaine. C'est ça que je dis, voilà. Et à une toute prochaine. J'ai même plus mon propre texte.